Maxime, moi salue nous dans le nom de Jésus. Bienvenue sur Lumière sur la liturgie catholique. Welcome to the Youth Ministry of the Haitian Chaplaincy of Atlanta. Thank you for joining. Moi dis nous merci en pile parce que nous venons sous channel là pour nous garder programme ça. Et aujourd'hui nous pour louer image instrument musique avec un bon. Donc c'est Sœur Nelta Jean-Louis qui pourra le développer partie liturgique présentation pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. God, we thank you for your mercy, your grace, and your love. We thank you for the privilege you have given us to be here again. We've been here last week, but it was not granted that we would be here today, and you granted it us. Nous mandons ou tant pri papa, voyez lumière l'esprit dans sous nous pour nous capables de continuer de travailler roi et permettre que royaume nan avance plus devant. Nous mandons ça parce que nous bon ni parce que nous dignes, mais le nom Jésus-Christ petit tout. Li qui vivant, kaprigné ensemble avec vous et ensemble avec l'Esprit Saint depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pourrons passer directement dans la réflexion parce que semaine ça, pas de question-réponse, pas de aucun monde qui pose question. Donc, je suppose tout le monde bien comprendre tout ça que tu dis et tout le monde d'accord avec vous tout parce que pas de question. OK. Jodi an nou pral wè imaj taye. Depi m leve tout piti, m tande yo di tout katolik se idolatre kap adore imaj taye. Si se ta vre, eske akizate yo pas hypocrite ou du moins si yo pas hypocrite est-ce que yo pas ignorant donc moun pa jam fait tout konnen on a le fouiller on a le chercher konnen et tout d'abord on garde qui côté yo joine causer ça les nous lit dans Exode 20 verset 4 5 tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, et plus bas que la terre. Tu ne te posterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Avant mon Dieu t'ai choisi peuple Israël là pour peuple pâle, c'est ton peuple qui t'est déjà qu'on a servi l'autre Dieu, et tout ça que t'es à disposition, yo t'es qu'on utilise, yo t'es qu'on utilise image, statue, pied bois, wash, soleil, la lune, etc. Donc, bon Dieu lui-même, lui porte une clarification très spéciale pour l'enseigner, pour quitter habitude ça. Et il est très important pour nous comprendre le contexte ça. Parce que un texte pris hors de contexte est un prétexte. Donc, avant que le peuple atal en Égypte, il était en combat et ça, il arrive en Égypte, il joue un Égyptien au cap, adoré en série de l'autre Dieu encore, vient mettre plus sous salle de gagnant, c'est un coup absé, tombé sous clou. Donc, bon Dieu obligé mette yon clarification pour yon ka comprendre et li montre le peuple à tout qui ça l'ordonne yon pour yon faire et qui ça li besoin l'an yon même. Donc,
On nous prend deux mots, tant que par exemple, adorer avec image, et on a regardé qui ça mot ça vous dit, on a regardé qui signification que vous gagnez. Tout d'abord, on prend adorer. Adorer vous dit, attribuer une vénération absolue à une divinité. Ça veut dire que nous-mêmes chrétiens, espèce de vénération absolue, ça, c'est bon Dieu pour nous bailler et c'est bon Dieu seulement pour nous bailler parce que c'est une vénération absolue que lié. Mais c'est pas un bagage pour nous confondre avec les n'a fait une révérence, une autre qualité vénération avec les n'a honoré, avec les n'a fait une dévotion. Donc adoration son bagage qui très très profonde et seul monde qui a adoré ka connaît que l'a adoré parce que c'est un élan du cœur, c'est l'an cœur moun nan sa sorti parce que ça avec cœur li que l'adorer, c'est pas avec geste que l'a fait à tout monde qui doit faire n'importe qui bagaille qui fait que c'est avec cœur li que li adoré. Et puisque li adoré avec cœur li, donc li réellement frivole et réellement absurde tout pour camper pour di moun nan a adoré image taille. Qui j'en fait connaît, c'est celle couteau qui connaît ça qui n'en kayam, qu'on dit proverbe la dil la. Raison qui fait que m'dine que, bon Dieu, c'est une mise au point que le tap fait pour te clarifier pour le peuple là, c'est parce que bon Dieu lui-même, pour compte qu'on parle, lui ordonné Moïse pour le fabriquer de chérubins, là, Exode 25, verset 19. Bon Dieu, by instruction, qui dimension, il bay qui précision pour faire li et qui façon pour sculpter et qui côté pour mettre les déchirubins les fin faire. Ça veut dire que image pas formellement interdit pour te utiliser parce que bon Dieu lui-même ordonné pour utiliser image et bay qui côté que pour mettre de statue en or. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes l'en fin garder mot adoration ça. Fon al gade ki sa image vle di tout. Bon, m son photographe a vle di ke m gen client ki te kon a paye m pou m fè photo pou yo. A vle di ke mwen vann yo image, yo fè gravure avec image yo, yo mette yo lan mur la kay yo, yo fè tout sa ke yo vle fè avec image yo, moun ki peut-être maman ou papa ou famille que yo remè en pile que yo chéri dans la vie yo que yo mette image ça ou l'ambu la caillou pour yo ka toujours songer moun ça même les que moun ça ta vin mouri. Donc qui problème qui gagne si peuple bon Dieu a l'entente bon Dieu a li choisi pour mettre image des moun qui t'est passé comme modèle et qui t'est l'an moment ça montrer qui ça bon Dieu est et qui marque l'évangile bon Dieu a avec Jean que yo tap et professé. Donc pas gen problème là ça sou ka mete Paul là pour qui ça ou empêcher chrétien faire même bagarre là. Donc c'est ça que n'a gardé là pas oublier que adorer c'est pour bon Dieu seulement que lié. Mais nous gen doit vénérer, honorer, faire toute l'autre qualité bagarre parce que et le quatrième commandement hein, qui dit honorer maman n'a papa nous et l'enfin honorer maman n'a papa nous n'a va vivre longtemps. Li gon promesse là-dedans que bon Dieu fait pour nous vivre longtemps pour vivre nous cas de longue durée. Donc nous ka ouais que bon Dieu permette que nous vénérer, que nous honorer parents nous mais adoration qui c'est la vénération absolue réservée pour lui-même seul comme bon Dieu. Plus loin, dans le programme ça, Senel t'a pas fait une présentation, il pourra parler de image là tout. Et il pas parler en long et là, j'en parler, mais il pourra parler de mural yo. Par exemple, ou dans l'église yo, gon série de images qui sous fenêtre yo, presque tout autour l'église yo ba ça. Mural ça yo c'était prédicateur yo prêtre yo qui te kon utilisé yo pour yo te capable enseigner moun yo et c'est un coup que image là son façon pour yo illustrer ça que y a dit. Donc ça il était très important parce que
Les pour communiquer, ou qu'a utiliser parole, ou qu'a utiliser signe, ou qu'a utiliser geste, et puis ou qu'a utiliser image avec photo tout. Donc c'est comme ça que yote kon fait. Et nous connaît que l'église là existait longtemps avant 1440, les Johannes Gutenberg t'a inventé imprimerie. Donc nous ka konnen que t'es gagné en pile besoin pour utiliser image en vantant ça. Donc à part de ça, premier image ça que bon Dieu t'a demandé pour faire de chérubin, bon Dieu vient ordonner pour sculpter yon statue de un serpent d'airain. Ça c'est dans Nombre 21 verset 8. Et puis bon Dieu dit pour mettre statue sur un poteau parce que peuple Israël là pendant le désert la serpent a modèle et les ont mettre statue ça sur un poteau moun serpent mordé et puis qui garde statue yo pas mouri y a bien la vie. Non seulement bon Dieu mandé Moïse pour sculpter serpent d'airain et puis bon Dieu délégué yon pouvoir dans serpent pour guérir moun qui garde les serpent mordé. Donc ça veut dire que bagayo c'est pas bagayo qui simple comme ça. Pendant m'ap din ça, m'vin son jonti histoire. M'son jete gon dame qui te habite Kansas, qui te gon petit garçon li. On ti moun ki lan 9-10 ans kon sa. Po diable ki gon cancer et cancer l'arrivé lan état terminal. Madame nan pa kont sa pou l'fè et son seul petit la kel gen. L'ap mande aide tout côté, l'ap mande prier tout côté. L'an prier. Gon moun ki dil kon sa. Mais soit le Pennsylvania, l'an l'église, pas songe exactement qui l'église était. Li di gon mais qui qu'on a fait yon service de guérison l'en prière charismatique. Si ou al côté li, peut-être que ou pas jamais connait ti moun nan ka jwenn guérison. Malheureusement la fait ça le connait, li prend avion avec petite li, là le débarque Pennsylvania, là dans l'église là. Chaque fois on raconte histoire ça comme fait chair de poule. Qu'on y a même l'est arrivé dans l'église là, moun yo gen temps aller. Aïe. Madame nan chita la prier, la prier. Finalement l'est la prier et puis père k'ap passé. Père ouais la prier et puis père relèl et puis père parle avec et puis l'a expliqué père jusqu'qui côté il sorti, il vini là pour vinn derrière et service là, il pas vinn service là gen temps fini ça. Pendant que l'a parle avec père, ti garçon même ça le fait. Li ouè image enfant Jésus an, et puis li marché l'al campé devant image enfant Jésus an. Pendant que maman la parlé avec père, yo tande ti garçon an k'ap parler. Et puis maman vini pou l'al fon geste pou le père a dit non kite l. Et puis yo rete yo suspend parler yo même, y a tande ti garçon an k'ap parler. Ti garçon entre en conversation réellement que yo même se voit ti garçon yo tande yo pa tande rien encore mais ti garçon a parlé la répond question et puis la poser question tout après ça conversation en fini et puis ti garçon retourne côté maman et puis il dit maman comme ça et me saute parler avec la oui maman dit qui est l'autre ti garçon ça qui là enfant Jésus hein il dit me comme ça que moins guéri metal la caille moi pas besoin bay tête moi problème encore. Donc so wèk fèt on fwa dans la Bible, li ka répété encore. Donc en parlant d'image dans la Bible, si ou li seulement Exode 20 verset 4-5 et puis moi li Exode 25 verset 19 avec Nombre 21 verset 8 et puis nous pas li ou dans contexte yo bay ça et puis nous vinn tomber dans discussion, nous pral fon discussion acharnée et nous pas jam d'accord. Donc c'est ça qui fait que l'important que les n'appli verset pour les yo avec histoire qui marchait avec yo, avec coutume qui marchait avec yo, avec toute bagaille pour nous kakembe au lan contexte yo, parce que un texte pris hors de contexte est un prétexte. Donc nous pas capable li grain verset au hasard comme ça et puis nous prêt pour accuser moun avec yo. Donc ce qui veut dire que image pas réellement interdit j'en abdiant dans l'église là, parce que là nous prend concept image là pour qu'on parle image involve gravure, statue, peinture, mural et puis
film tout, moi qui parle avec nous là, en réalité, nous sommes image. Et pas moi qui devant nous là. Donc, ce qui veut dire que, ou pas qu'à courir pour image là, quel que soit, sauf fait, image là, vient jouer nous. Qu'on y a là, imagine ou bien social media, bah, ça, ou ça, qui image yo, communique. Donc, si vous avez photo là, qu'on apprécie, photo maman, photo papa, photo famille qui mourit déjà, qu'on toujours kembe la kayou. Donc, c'est normal que moun ki lan l'église nan, li ka mette photo famille l'église nan tout, en dans l'église pal tout. Donc, pas gen aucun problème dans ça, pas courir à l'accusé. Donc, servi bon Dieu selon ou même, mais on pas besoin accuser l'autre là pour ka senti ko bon. Donc, l'on regarde un film, par exemple. Film c'est image. Moi même c'est photographe, m'ka di ça bien parce que un film c'est yon ensemble de 24 images que vous regardez dans une seule seconde. Zye ou pa ka wè 24 images dans une seule seconde parce que vous n'avez pas de capacité ça. Ou un mouvement, c'est ça le cinéma, mes amis. Donc, ou ka comprendre que l'on a regardé un film que vous avez projeté dans l'église. Vous projeté dans l'église protestante. Ou film sur la passion du Christ, film sur la naissance de Jésus-Christ, whatever, film ça. Projeté dans l'église tout. Et là projeté dans l'église, ce sont des images que oui tout frères et sœurs. Nous gain droit parents nous compte de ça. C'est image que oui. Donc là nous même tout nous fait théâtre, nous fait décoration, ça représente Jésus, ça représente Marie, ça représente Joseph, ça représente l'ange Gabriel. Ce sont des images mes amis. Donc ça que me t'a demandé nous on essaie, ouais, si n'a plus bien imbu de ça n'a dit et de ça n'a accusé, on ne pas accusé. Parce que nous tous, c'est pécheurs. Ok? Donc, on essaie plutôt comprendre ba yo l'en sens que yo y a pour éviter de transformer tête nous, soit en hypocrite ou bien en ignorant, sans nous pas même qu'on est même. Ok, frère Maxime? Sœurs et frères, bonsoir. Aujourd'hui, dans la session Regard sur Lumière sur la liturgie, nous aurons à aborder trois points. Les images dans la liturgie, les instruments de musique et l'ambon. Les images dans la liturgie. L'usage des images dans la liturgie a deux fondements essentiels. L'incarnation et l'espérance eschatologique. La liturgie est adoration de la parole faite chair et signe du royaume à venir. L'image est donc une façon d'annoncer la parole en adorant le Seigneur. Elle participe aussi au mystère de la communion des saints. Voyons ce que Dieu nous dit des images. Dans l'Exode 25, versets 18 à 22, Dieu demanda à Moïse de construire sur l'arche d'alliance, sur le couvercle, deux chérubins, deux anges en or. Et il ajouta, c'est là que je vous rencontrerai. Le serpent d'airain au désert que nous trouvons dans Nombre 21, les Israélites devraient le garder pour être sauvés de la morsure des serpents. Cette effigie du serpent était déjà la préfiguration du Christ crucifié pour nous sauver du péché. Voyons dans l'Exode 20, chapitre 3 à 6, ce que Dieu dit dans le Décalogue. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Sœurs et frères, m'appendez-nous bien pour texte ça, nous quitter dans le contexte.
Bon Dieu t'a parlé avec Israélite pour te parce que tu as une bonne divinité que peuple païen t'a adoré. Bon Dieu t'a voulu dans éducation peuple là que t'a fait pendant au dans désert. Il t'a voulu mettre en garde contre fou Dieu ça yo. Dieu condamna le culte d'idolâtrie qui consiste à adorer, vénérer un objet ou une créature sacrée et douée d'un certain pouvoir. Donc, sœurs et frères, en pile dans ce nom, frère nom catholique, pas manque d'informations et de formations, nous quittons nous manipuler et mener à changer position de foi nous et même religion nous par frère nous séparés qui utilisent passage biblique ça. Les statues voulues par Dieu sont des images, sont des signes de la présence protectrice utilisé pour éveiller la foi des Israélites. Les statues et les images sont pour nous les chrétiens des signes de notre foi. Elles ne font pas l'objet de notre adoration. Voyons l'usage des instruments dans notre liturgie. Dans l'Ancien Testament, les instruments de musique étaient utilisés pour les services du temple en Israël. Nous avons comme référence de type d'instrument utilisé le psaume 150. Au temps de Moïse et de Salomon, on utilisait certes les instruments, mais seulement les lévites et les prêtres avaient droit de jouer. De jouer les instruments pendant les cultes. Au Moyen Âge, et spécialement vers le 10e siècle, l'orgue a fait son apparition dans l'église et il détrôna tous les autres instruments. Et même certains prêtres père de l'Église, était opposé aux instruments de musique à cause de leur usage dans les temples païens et dans les activités mondaines. Toujours est-il, les instruments étaient hiérarchisés. Dans la liturgie du Vatican II, la musique dans l'Église catholique romaine restait entièrement contrôlée par le clergé. Qu'est-ce que nous apporte la réforme? Un des principes de base de la réforme est le sacerdoce universel, c'est-à-dire chaque croyant est un sacrificateur et peut s'adresser directement à Dieu et peut se retrouver à travers les chants et la musique. C'est ainsi, on voit la réapparition des instruments de musique dans les cultes. Et aujourd'hui, depuis plus de 40 ans jusqu'à nos jours, nous avons vu l'apparition des instruments électroniques qui a beaucoup contribué dans notre liturgie. Et même nous autres chrétiens haïtiens, nous avons des instruments tambour qui ne sont pas conservés dans l'église. Nous fait rentrer dans l'église nous parce que nous dit Satan pas créé tambour, c'est pour nous faire louange mon Dieu.
sous tambour. On nous est saillon en bon yé. L'ambon, c'est la plateforme utilisée pour proclamer les écritures. C'est aussi le piédestal où l'homélie est donnée. Conclusion. La musique par elle-même, frères et sœurs, peut nous parler. C'est un langage qui va au-delà des paroles et qui peut transmettre un message. La musique nous aide à comprendre certaines qualités de Dieu, sa puissance, son harmonie, un Dieu de paix. Elle nous aide aussi à exprimer nos sentiments de chrétien, notre sentiment de confiance, de joie et d'assurance. Quant aux images, aux statues des saints, des apôtres et des prophètes, etc., nous ne les adorons pas. Nous les honorons pour ce qu'ils sont dans l'histoire sainte. Elles sont pour nous des modèles de foi. Elles nous inspirent à faire la volonté de Dieu pour être des héritiers de son royaume. L'ambon est un meuble sacré utilisé dans la liturgie pour apporter la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Merci. Frère Maximio, je souhaite que le moment nous soit passé à temps de ce programme, c'est un moment qui est capable fructueux et enrichissant pour vie spirituelle nous. Donc moment arrivé pour nous aller et nous dit nous merci en pile pour tant nous avec patience nous que nous te bail pour nous te capable tendre programme nous. Et mandez nous pas oublier l'autre semaine brancher encore pour nous tendre session 15 là. Donc m'a voyer nous aller avec la paix, bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Amen.